Je pourrais peut-être établir une liste de cadeaux pour mes abonnés, ce serait peut-être sympa, tiens. Alors, cher petit papa Noël, merci que la fête de Noël tombe en fin de mois, là, au moment où tu n'as plus de fric, même si tu es censé t'y prendre à l'avance. Moi, je m'y prends trop tard, donc c'est la ruine, sachant qu'après, en plus, il y a le jour de l'an, voilà, comme ça, histoire de se mettre bien dans la merde, c'est magnifique. Sinon, à part ça, éventuellement, qu'est-ce que je peux proposer comme cadeau? Il y a peut-être l'enceinte Bluetooth de JBL, voilà. Elle est pas mal, en plus compatible iOS Android, avec 5 heures d'autonomie. Donc je pense que pour, en plus, je crois qu'elle fait que 29 euros actuellement, je pense que ça peut être un bon cadeau pour ceux qui recherchent une petite enceinte. Après, on a quoi qui peut être intéressant? Il y a les AirPods, bah oui, les AirPods, ils sont magnifiques. Bon, c'est compatible que iOS, mais je trouve que les AirPods, c'est la meilleure invention d'Apple, les AirPods. Et avec 24 heures d'autonomie, le fait de pouvoir juste contrôler Siri dans les oreilles, ça c'est vraiment un truc magnifique. Ça serait un bon cadeau à offrir ou même à s'offrir à soi-même. Je trouve que c'est pas mal en restant dans le monde de la musique. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre pour le téléphone, vu que le téléphone c'est l'objet principal, c'est notre meilleur ami à l'heure actuelle d'aujourd'hui? Ah bah oui, simplement, vu qu'en ce moment c'est la mode, un chargeur sans fil. Ce qui pourrait être sympa, c'est celui de chez Showtech. Il est un petit peu relevé, comme ça. Ce qui permet notamment, en plus, vu que pour l'iPhone X, vu que Face ID ne marche pas quand le téléphone est couché, le téléphone est un petit peu relevé, le support est un petit peu relevé, comme ça. Ça fait que, du coup, dès qu'on reçoit une notification, on a juste à regarder le téléphone, on le voit, Face ID nous reconnaît, il se débloque direct. Je parle pour l'iPhone, mais ça peut marcher pour n'importe quel téléphone à chargeur à chi, comme ils disent. Il y a une petite LED en bas qui permet de voir quand le téléphone recharge, et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut même mettre le téléphone en mode paysage et il continue quand même de charger. Donc ça peut être pas mal. Je trouve que pour un chargeur sans fil, pour débuter, je pense qu'il peut être pas mal celui-là, tiens. Si je reste dans le monde du téléphone, forcément on va recommander les coques RhinoShield, hein, parce que c'est les meilleurs, enfin, à mon sens c'est les meilleurs, testés et approuvés par des centaines de milliers de youtubeurs. Donc les coques RhinoShield, voilà, ça c'est nickel. Et si on reste chez RhinoShield, un autre truc pour le téléphone, tant qu'à faire, eh ben, c'est les objectifs photo, donc avec l'adaptateur qu'on peut mettre sur la plupart des téléphones. Voilà, je crois qu'il y a un grand angle, un macro, un fisheye et un ultra grand angle, si je dis pas de bêtises, donc ça peut être sympa, voilà. Tout ce que je crois, là, il me semble, il n'y en a qu'un qui a plus de 50 euros, sinon ça peut être sympa, ça, les objectifs photo pour téléphone. Toujours dans le téléphone, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben oui, une batterie portable, bien évidemment, ça c'est le must, ça, pouvoir recharger son téléphone où on veut et quand on veut, ça c'est suprême. La batterie éventuellement que je pourrais recommander, c'est la Anker Astro, voilà, 6700 mAh, elle peut recharger quasi le téléphone deux fois, je pense que ça suffit largement. Voilà, pas besoin de plus gros, ça peut être sympa. Bon, mis à part le téléphone, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait... Ah, un truc qui peut être sympa, c'est la lampe Tetris. La lampe Tetris, elle est géniale, on peut en plus la disposer comme on veut. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les pièces, elles sont pas aimantées, donc vaut mieux la mettre sur un support stable. Mais vu qu'on peut la modeler un peu comme on veut, ça peut être sympa, ça tient. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal, il y a de la déco, il y a de la couleur, il y a de la musique. Moi, ce que je peux demander au Papa Noël, s'il est pas trop radin, ça serait peut-être un iPhone X, tiens. iPhone 10 Plus, s'il te plaît, j'ai été extra méga giga cool gentil cette année. PS, je t'aime. Si ça peut éventuellement influencer un petit peu. Bien sûr, je vais leur laisser la liste dans la description, comme ça ils pourront s'y retrouver. J'espère qu'ils penseront à s'abonner et à laisser un petit pouce bleu pour faire plaisir. On leur souhaitera un joyeux Noël et qu'on les retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Allez!